l'homme est vraiment abattu comme tu le dis là. Je te dis que j'étais seulement en train de voir tes bips et tout, tes appels. Comme j'étais occupé à porter l'opinion là, je voulais d'abord finir avant de prendre ton appel ou te rappeler même. Sinon c'est comment? Car je dis c'est mauvais. Et toi tu es toujours en train de crier. Regarde. C'est quoi encore? C'est la liste. Tiens seulement. C'est un bon coup d'œil. Vous m'excusez, monsieur. Ça, c'est la liste qui t'ont donnée. Les gens la veulent, maman, je ne sais pas. J'ai dit, c'est pour un super macho ou quoi? Merde! Mais gars, ça, c'est terrible! Ça, c'est la mort! Tu parles. Ça, c'est la mort, gars. Non. Ça, c'est terrible, gars. Quoi? 20 ports? C'est pas vrai, et c'est même précisé les ports des races, c'est comment, gars, toi? Je dis, et ils veulent ouvrir la pocherie chez eux, quoi. Les congélateurs, gars, mais c'est terrible, c'est pour faire quoi? C'est pour ouvrir quoi? Jean, ils vont ouvrir un bar. Non, mais gars, c'est terrible. Et je continue de voir là, et les dames jambes de vin rouge. Quoi? Et les motos? Mais gars, dis-moi un peu, les motos. Et précise la marque de la moto. C'est comme si on voulait seulement s'enrichir dans ton dos, gars. Quoi? Non, mais gars, c'est terrible. Je parle. Justement, c'est ça qui fait en sorte que les jeunes ne se marient plus aujourd'hui. Parce que quand on te taxe la dot chère comme ça, là, c'est difficile de réunir les moyens pour le faire. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est ça. Sommes les choses comme ça là, qui poussent même les jeunes à faire les vieux reste. Et vraiment compliquer la situation. Or que les blancs viennent souvent ici là, on les donne les femmes gratuites. Pour rien! Pour rien! Mais toi tu allais me mariter fourré dans quel genre d'histoire là? Gars, c'est l'amour. Mais gars, toi tu m'appelles quoi l'amour? Non, tu penses que là moi si là je n'aime pas ou je n'aime pas une femme. Toi tu connais ma femme là? Toi tu penses que je suis allé stabiliser ma femme? Et quand je regarde la totalité, c'est dans les 6 millions gars quand même. 6! Je suis choqué gars. Je suis choqué sincèrement. Tu peux faire des choses avec cet argent là. Les gars, il y a 8 fois plus de femmes dans le monde entier que d'hommes. Hein? Donc chaque homme peut avoir une seule 10 femmes. Comme ça même ça ne suffit pas pour un homme. Le Cameroun compte aujourd'hui 19 millions d'habitants, gars. Les femmes sont majoritaires. Et tiens aussi à te dire quelque chose. Toi, tu as trop souvent négligé ce que moi je t'ai dit. Oui, et je vais te tirer l'oreille aujourd'hui. C'est ta femme. Tu as fait le choix. Tu comprends? Mais le conseil que je vais te donner en tant qu'ami, ça c'est trop. Donc ce que je peux te dire, tu retournes voir les parents, tu vois, et tu essaies d'écouter, tu dis c'est trop, tu dis ça ne peut pas aller, tu comprends un peu, non? Insiste là-dessus, ça ne peut vraiment pas aller, si ça ne va pas, gars. Bon, moi je te dis que je suis un chef de famille, mes parents sont décédés il y a longtemps et j'ai des soeurs à la maison, mais si ça ne va pas, tu viens prendre même une de mes soeurs à crédit, celle qui te plaît. Tu comprends? Ouais. Oui, tu viens la récupérer à crédit. Moi, je t'ai dit ça, tu es mon ami. Tu as tant fait des choses pour moi. Tu comprends? Ok, oui. C'est bon, ça marche. Okay. Tu comprends? Aucun problème. Oui. Regardez-moi mon truc là. Ok, ça alors comme tu as dit, on peut avoir mon père, peut-être qu'il peut faire quelque chose, mais moi je ne te garantis rien. Mais il devrait normalement faire quelque chose, celui qui le congrès père, toute la grande famille là même, on ne comprend rien. Mais je te demande encore, faut me dire que pourquoi le jour là tu n'as pas dit tout ça? On peut même s'enfuir, s'il essaie un peu de compliquer, après près de 6 millions qu'il faut dépenser pour la dot. Moi je préfère qu'on parte ailleurs, on achète le terrain, on construit la maison, on va voir les affaires de toute la terre. Je ne refuse pas. Tu vois trop les films. Tu sais que mon père mange pour les gens. Tu penses qu'on mange aussi, tu vois quand tu mon père et après on me gâte. Yeah.
so was so lonely. Was so bad. There she goes. She touched my heart and said, "Pepe's in a nose go." Was so glad. The way she keeps me smiling, it brings me. Regardez, un petit peu. Mm-hmm. Ah, voilà. Alors, je peux pas vous laisser. Ouais. C'est que par rapport à la liste là, vraiment, comme j'ai eu des difficultés là, mon travail s'est arrêté. Les gens qui m'ont promis sont en train de retarder la chose. Mm-hmm. Et comme je vois que la date est approche, mm-hmm. Donc, je suis venu par rapport à ça. J'ai mis la liste là. Ok. Voilà, madame, c'est quelque part ici là. 20 porcs, 20 dames jaunes de vin rouge, les motos, les pagnes. Si au moins, si on peut, même les motos là, si on peut d'abord laisser les motos. Ces affaires-ci, ce n'est pas. Une seule personne ne peut pas prendre une décision sur ça. C'est la famille. Non, le véritable problème, c'est que c'est même pas que ça m'influence, tu vois. C'est que quand je travaille, c'est que le travail va reprendre après, mais comme la date est approche, quand moi je travaille souvent, ça c'est un petit problème. Je résous ça en département de papier, tout s'est réalisé. Je suis quoi pour toi? Tu es mon père. Est-ce que si je meurs, tu seras content? Ces affaires-ci, c'est quelque chose qui est dans toutes les maisons. Moi je pars chez mes petits frères, je mange. Je pars chez mes grands frères, je mange. Et si moi maintenant, chez moi, il dit que non, je ne peux pas. Vous voyez-tu ce qui va arriver au fils? Tu as vu l'autre jour, quand l'oncle Bessala est venu ici. L'oncle Bessala dit que c'est même très peu. Qu'il n'est même pas si d'être là à la dot, pardon. C'est toujours lui qui amène le désordre. Parce que quand il a vu la liste, c'est lui. Il est toujours comme ça. Là. Même quand tout ça, c'est la famille. Hein. C'est la famille qui a demandé. Donc, il ne peut pas prendre sa décision. Je ne peux pas prendre une décision. Non, je ne réfléchis pas, je me dis peut-être que tu peux les convaincre. Moi, quand j'ai pris ta mère, vraiment, ta belle-mère, c'était plus que ça, c'était dur, ce n'était pas ainsi. Mais là, ça. Essaye un peu de les expliquer comme on a bavardé. Tu sais que j'ai expliqué au père qu'en temps de nos travail, tu as une punition de 6 mois, donc en même temps, le salaire ne passe pas. Donc, ça va valer. La famille. On reste quand même encore ajouté. Parce qu'on pouvait ça là, enlever. Si c'est 15 points, il ne peut rien enlever. Si on se réunit encore, il va dire qu'on ajoute. Oui, il est même obligé qu'on vaut la réunion. Il va même dire qu'on ajoute encore. Mais ça veut dire qu'il faut que tu ailles te battre, mon beau. Parce que c'est ça. Il faut aller te battre. Bon. Et je te laisse au moins c'est bon. Ok, bon. Okay. Bon. 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 Je vous laisse. Madame, le canapé, c'est mon canapé et ma femme, ce n'est pas pour vous, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir un canapé chez vous, allez au sud dans vos mariages. Mon mari était venu ici pour me doter, vous avez refusé, donc laissez-moi tranquille. Vous avez voulu qu'elle reste ici, là, donc elle va rester là. Ton mari va apporter combien? Elle va apporter quoi? Et comment refusé? Vous-même, 20 porcs de 100 kilos, un congélateur de 1000 litres, les chèvres, les pagnes, les motos, et ils ont précisé la marque, les beaux-frères, sans oublier les belles-sœurs qui ont mis les pagnes, les tissus à la mode, les machins, parce qu'ils devaient aller voler. Alors, on va rester ici là, hein, ma star? C'est voilà, maintenant, enceinte. Ça, c'est la femme de qui? C'est la femme de quelqu'un comme ça là. C'est la femme de quelqu'un? Oui, c'est la femme de quelqu'un. Vous avez refusé mon mari. Donc, c'est la femme de quelqu'un et c'est vous qui allez même faire le pousseau. Vous allez tout faire. Sinon, vous allez l'emballer dans les feuilles de manioc. Vraiment, tu parles bien, hein? Tu parles très bien. Parce que l'oiseau travaille et l'aigle lui, il mange, n'est-ce pas? Maintenant, moi, comme je n'ai pas compris, mais ce qui est là, c'est que quand je suis venu à mon mari, vous avez chassé. Donc, acceptez-moi comme je suis. Acceptez-moi comme je suis. Donc, c'est papa. Papa, c'est tout. C'est papa, c'est à cause de lui. Papa, c'est comme ça, c'est à cause de papa. Non, si tu parles. Mais papa, moi, je sais qui est. Moi, je vais te demander, c'est l'école. Tu comprends? C'est l'école. J'ai aussi refusé de payer mon école. Ah, comprenant alors.
foyer. Et tu parles même la maison à quelle heure? À quelle heure on balait la maison? Une maison comme celle-ci, on la balait à quelle heure? Madame, mais je ne m'attendais pas à vous comme ça. Hein. Et sachez maintenant que vous allez quitter ma maison. Et je dois cette Oui, j'accepte. Allez, une job. Vous pouvez m'encombrer la maison. On va rester ici là. On va rester ici là. Parce que quand les gens sont venus avec la nourriture, même si un pot, il fallait prendre. Donc, dis quand tu dis la côte, ton mari avait apporté. Il avait apporté combien? Vous avez fait le mieux. Maintenant, ça retombe sur vous. Et ici là, on se gagne pas chez nous. Ici là, c'est notre maison. Tu parles, j'ai plus ta main. J'avais plus ta main pour rien. Mais c'est pas ce que maman dit toujours. Maman dit que ce sont les parents qui se sont entrés. Toi, tu n'as même pas donné 5 francs. C'est ton père qui a tout. Et papa n'a pas voulu qu'on diminue la liste de n'est-ce pas? Il était même venu ici, il a demandé qu'on réduise la liste. Il a refusé. Maintenant, il dit qu'on doit aller en mariage. Et en plus, il demande qu'on aille où maintenant? Toi qui parles là, le col t'a dépassé, la coiffure t'a dépassé. Mais c'est une star, non? C'est une star. Papa, tu n'as pas dit. Marie, tu n'as même pas. Tu comprends? Je ne sais même pas. Si tu es comment, je ne sais pas. Tu viens seulement ici là pour faire le boucan. Vous allez sortir de chez moi. Papa, même tu ne vas pas nous enlever ici là. On va rester ici et former nos équipes de football. Hein? On va rester. Je regrette. Je ne sais même pas. Mais chacun va dans son chemin. Parce que je ne peux pas supporter ça. Pour moi, ça va comme ça. Je vous prends une décision ferme. Chacun va prendre son chemin. Ton frère m'avait dit que toi, tu ne déranges pas. Parce que je sors d'une situation vraiment terrible. J'étais dans une belle famille là où on m'a sorti une issue, bien c'était une litanie, je ne sais pas. Et là dedans, il y avait et les ports et les motos. C'était une liste terrible. Ça, non. Oui, ça m'a terrorisé. Chez toi, ça a dit quoi alors, de ton côté? Comme je te disais là, chez nous, on ne dérange pas. Ah bon? Oui. Mes parents, ils ont compris ça très tôt. Que ma dot, c'est un symbole, c'est juste un symbole, tu vois. Et tu as un peu plus de chance parce que c'est ton ami qui est le chef de la famille en prison. Non, je suis un homme de la famille automatiquement. Ta femme n'est pas un objet à vendre. Si je payais les 6 millions là, j'allais la faire travailler matin, midi, soir, chaque jour. Pour lui faire comprendre que non, la femme n'est pas un objet à vendre. Tu vois? Ouais. Elle allait vraiment être comme une esclave. Mais c'est pas son problème. C'est pas les parents qui dérangent.